départ est très bon. Et on voit Tommy Bergeron à l'extérieur et Richard Henault à l'intérieur. À la sortie du premier virage, Richard Henault. Lui est favorisé par son corridor et un départ fulgurant. Tommy Bergeron qui est deuxième, Samuel Pagé-Morin troisième, Kelly Shane, Sylvain Doré, Michel Raymond et Stéphane Carrier dans l'ordre. Le Miss Bournois qui avait énormément de puissance, lui qui était parmi les favoris avant les épreuves de ce matin, malheureusement, un crochet dans le premier virage là, qui lui a causé d'ennui. Il est obligé de passer par cette finale consolation. Et il est bon premier dans le Miss Beauharnois. Et il a déjà une bonne avance sur Tommy Bergeron du 007, l'édition limitée. Et Henault dans le virage numéro 2. C'est bien négocié. Alors que Tommy Bergeron lui s'empare du corridor intérieur. Deux tours à faire maintenant pour Henault. Bergeron est deuxième. Pagé-Morin toujours en troisième position dans la haute tension. Henault qui négocie le virage. Numéro 2, c'est bien négocié. On va lui présenter le drapeau blanc. Plus qu'un tour à compléter pour Richard Henault. Alors que Tommy Bergeron est deuxième. Et Henault, lui, qui semble avoir une avance confortable. Beaucoup de vitesse sous la carlingue du H2. Plus qu'un demi-parcours à faire pour la Miss Beauharnois. Il a pris un départ fulgurant pour sortir le premier du premier virage. Et il est à compléter son épreuve. Et on accueille notre gagnant du H2, le Miss Beauharnois, Richard Henault. Il lui vient cueillir la dernière place pour la finale Hydro 350. Alors, finale Hydro 350, on connaît déjà nos inscrits. On a quatre embarcations qui ont des résultats similaires au cours du week-end, soit le H9, Mathieu Daou dans The Dog. Le H99, le OCR Gasbar avec Norman Ainsbury. Le H104, le Napa Racing avec Marc Lecomte. Et le H73, l'Olympique avec Martin Rochon. Eux qui ont tous deux victoires et une deuxième place au cours des qualifications. Henault se greffe à ce groupe de tête. Et les autres participants.